Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec Lokir. Je suis pas réveillé mais on y va. Alors le mec dit qu'on perd face à ça avec ce qu'on a là. Ouais. Finalement quand on fait une attaque éclair ça fait ça. Ouais bon on va se permettre de faire l'attaque éclair. Hein. The thrill of battle awaits. We will make them bleed. Quoique, attendez. Merde, je vois que mon fond il déconne encore. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait d'attaquer qu'une seule armée en vrai. Mais bon. On verra bien. Bon, c'est pas vraiment les batailles qu'on voudrait. Hein. Le chaos, s'il pouvait juste mourir. On dirait, ouais. Il nous arrange. Mais bon. On va le faire quand même, on n'a pas le choix. Alors du coup, tac. Il a le buff sur lui? Ouais, il l'a enfin, ouais. Ça veut dire que si je resserre un peu ces troupes-là... Je peux probablement les booster toutes. Oh, le casse-couille. Eager for battle. We are ready. Et si je fais ça? Ok, donc là je les resserre un peu. Ça me valide. Du coup, je resserre ici. Voilà. Comme ça, tout le monde est boosté. Ok. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour accueillir les élus. Ça c'est bon. Ok. Let's go. Salut Bolut. Comment ça va? On a les pouvoirs de l'art, donc on va pouvoir très rapidement péter ses canons. Visiblement il y a un dragon. C'est le champion dessus. Si on se prépare à esquiver. Probablement. Donc là on va envoyer tous nos sorts sur les canons pour l'obliger à venir simplement. Ok, le visé c'est le tout devant. Ok, attention, on se prépare. Dans 5 secondes, il faut que j'envoie la sauce aussi. Il touche ce con, il touche. Hein. C'est un peu fort. Voilà, on crame son canon. Non mais quel trou du cul! Il a balancé son lance-flamme dans...
Ok, c'est pas grave, les autres arrivent. De toute façon, il lui reste plus qu'un canon, vu que les autres y vont, c'est bon, on y va. Je lui pèterai à l'artillerie. Salut Eduloc! Salut Janko! Après les témoins de Jéhovah, je vois bien les témoins de Slanesh sonner chez les gens. Bonjour, connaissez-vous la parole, tout ça? Ouais, non, non. Mika au pouvoir, non, non merci. Est-ce qu'on tue le seigneur à votre avis? Oh, on le mêle en tout cas. Au setup, je peux enfin jouer avec la taille de l'unité haute. J'ai pas test en ultra, mais haute ça passe crème et c'est fluide. Nice, c'est bien ça, donc. Oh, cool ça. C'est ça, il se casse, ouais. Ils arrivent pas à passer. Par contre, c'est ouf comme les chars du chaos forcent le passage. Hein. Je trouve ça hyper impressionnant à chaque fois. La façon dont ils forcent la chose. Nagoroti! Black Guards! Jades! By your command, slay them! No mercy! Druki! Die, weaklings! Black gods! Dark elves! Make them bleed! Death hang! Pas sûr que tu tiennes longtemps avec autant de guerriers du chaos dans la zone, mais bon. Ce qu'on sait, c'est qu'on a dû faire mal là. Allez, 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 allez. Tuez-moi tout ça rapidement là. Allez, hop, 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 ça dégage. Hein. Alors, au pouvoir, j'aurais peur de devenir con, moi, par exemple. Le plaisir intense, je suis passé à 3 catapultes par unité. Salut Jibjab! Ah ouais, hein. plus les armées sont grandes, plus il y a de plaisir. Hein. Et c'est compréhensible. Je sais pas ce que font les nains à me courir après, mais. Oh là 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 là, il a fait tellement mal là.
En tout moment, ça va s'activer, hein, parce que voilà. Il y a quelques nains assez fous pour attaquer les ombres de plein fouet. Ça fait tomber, mais ça tue pas tant que ça. Hein. Bon. Normalement, c'est bon. Oui, on a bien compris, Aurélien. Il y a un petit moment, quelqu'un m'avait proposé une fois, m'a dit, tu devrais essayer une campagne en taille d'unité basse pour voir ce que ça fait, plus ou moins. Dreadlord of Naggaroth. Chiche. Chiche? Non, c'est pas chiche. Chiche de quoi? Supreme Sorceress of Grand. Alors les mange-morts là, vous restez dans l'eau. Hein. Je vous préviens, je vous casse la gueule. Hein. On en était où? Dark deeds. À mon avis, vous, on avait prévu de vous casser la gueule. Ouais. Carnage and bloodshed await. Put them in chains. What awaits me? Donc ça, c'est un peu la faction paumée, vous voyez. This is absurd. On aimerait ne pas s'embêter, mais on doit le faire quand même. Donc ici, finalement, il a fui. On dira pourquoi pas. Ça me permet de régène. Ça me permet de réparer ça. Dreadlord, at your command. Donc lui, il est en train de mûrir un peu. Be quick. Je suis pas sûr que lui prenne la bataille. Le problème, c'est que j'ai lui aussi à gérer. Mais ici, ça va, il y a un mur. Donc si jamais c'est lui qui attaque, c'est bon. Et s'il décide d'attaquer ça, il y a un mur aussi. Donc, dans tous les cas, normalement, ouais. I cannot rewrite reality. Even the law master could not. Quoi? C'est quoi ces renforts? Cruelty and violence. Speak. Allez. Ce sera à votre tour maintenant. Du coup, ici, maintenant que ça c'est un peu mort. Bah, il y en a des choses, hein. Dreadlord of Naggaroth. Dreadlord. The thrill of battle. Enslave. Très sereinement. Hein. Going ashore. Dreadlord of the Druki. Par contre, je vous dis, hein, vous touchez, ne serait-ce. Il y a une ville dans la zone. Je vous défonce. Je vous défonce. Lisez sur ma bouche. Je vous défonce. Je vous ai prévenu. Hein. Et là, le vrai problème. Attendez, parce que. Ouais, 434 000.
On va peut-être atteindre le million bientôt. Hein. On va peut-être atteindre le million, mais avant tout. Qu'est-ce que le million? Si nous sommes pas riches dans le cœur. Hein? Je vous le demande. Master of cruelty, supreme sorceress of Grand. Il semblait bien que j'avais perdu quelques unités dans tout ça. Weakness. Bon là, je lui dis, vas-y, hein, si tu jamais tu veux attaquer la ville, n'hésite surtout pas. Hein. Traitors, meet your doom. T'inquiète pas, nous sommes là. Sorceress. Pourquoi j'ai perdu des unités ici? I must always be ready. Dans cette histoire, on dirait que c'est un garde noir qui monte. Sins of the Father. Est-ce que tu en possèdes, toi? Non. Voilà. Toujours moins à prendre. Hateful bidding. Et dans cette... C'est l'armée de Lokir. Lokir était tombé, bordel de cul, je me rappelle. Et il lui manque des héros, du coup. C'est ça, il lui reste 2 tours, bordel. Et des héros du coup aussi. La lame de la reine de sang. Noble of Naggaroth. En fait, idéalement, on pourrait bait son armée avec les nôtres. Et si jamais il attaque, Supreme Sorceress of Grand. Il est dans la merde. Par contre, Dark Sorceress. C'est chiant tout ça. Dreadlord. Supreme. Après, j'ai bien envie de... Ah, je sais pas. Je sais pas. I cannot. Feel my power. Attendez. What violent delights. Power awaits me. Watch and wait. Unparalleled. This will fail. No. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle veut pas là? Voilà. On est tous les deux en embuscade. On lui dit vas-y, viens. Viens voir. Tonton Cthulhu. Bon, là on a fait une armée qui est pas censée rigoler avec le chaos. Hein. Juste lui casser la gueule si possible. C'est marrant, je peux les recruter. Tyrant of Naggaroth. All powerful sorceress. Pourquoi maintenant c'est en mode. Dreadlord of Naggaroth. Je sais pas. Après, je peux probablement lui prendre, non? Ça me fait chier d'attendre 2 tours si je vais en mode courir. Apparemment, ça me prend que de 56%. Je peux tenter ça pour rentrer après à l'intérieur. Ça, c'est un convoi de mémoire. Voilà. Et avec ça, elle devrait être assez puissante pour... Pour recruter un héros. Tiens, discipliné, ça sera très bien. Non, on va prendre une matriarche. La stratège, pourquoi pas. Ah merde. Je l'ai pas.
Et au bon endroit. Et donc là, du coup, on recommence la même armée. Voilà. Il y en avait tout à l'heure, il y en avait 4 et 2. Et donc là, c'est bon. Il manque les. Non. Voilà. Pendant ce temps-là, lui, il est en voyage. On va essayer d'aller chercher Malus si on y arrive. On peut essayer. Hein. Ordre public plus 4. Non, ouais, taux d'imposition. Ouais. Ok. Ah, c'est une rébellion. High Beastmaster. Vais-je avoir le temps de recruter mes unités ici? Telle est la question. Immortalité. Mais tu l'as déjà l'immortalité? Sabeta. Il y a beaucoup de furie. Le maître du fouet. J'aime ça. Immortel. Les gaz. Mortel. Ah, elle avait encore un point. Attaque en mêlée. Alors. Forcément, ça c'est pour la sorcière. Si je dois taper. On va essayer un truc, tiens, avec lui. Bonus contre infanterie. Juste pour voir la puissance qu'il pourrait avoir en attaquant dans la mêlée. Tac. Je mets ces points là parce que on est dans la ville au niveau de la tour des étoiles. Il faudrait que je la mette à l'intérieur pour justement augmenter les revenus. J'ai fait une petite défense en mêlée correcte. Il est déjà très bon en attaque mêlée, le bougre. Pourquoi pas un peu plus de puissance? Forcément, on pourrait aussi l'équiper, sûrement. Hein, voilà. Hein. Le debuff. Ça permettrait l'attaque magique en plus d'empoisonner. Ça serait lui donner encore plus de résistance et plus d'attaque. Fouet d'agonie. Potion de force, tiens. Voir à quel point il peut être puissant. Revenu de commerce parce que vendeur d'organes. Voilà. Et pour elle, c'est la reconstitution des troupes obligatoire. Le chaudron. La brouée de sang. On supprime la corruption parce que c'est le chaos qu'on tape. Tac, tac, voilà. Surcouf. On va mettre quoi avec surcouf? On a déjà mis tout ça là-dedans. On peut mettre ça pour la défense de l'arche. La haine éternelle contre les hautes elfes. Après, je peux aller chercher la reconstitution. C'est ça, hein. Crushing victory. Ouais. On a vraiment tout mis à l'intérieur. On a des ombres, des corsaires et des gardes. Là, on booste les ombres et les corsaires. Et là, on booste les gardes. Ok. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Là, on booste les ombres. Là, on booste... Il fait quoi, là?
Merci. Merci beaucoup, Bellilou, pour ton resub, ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. Comment tu vas? Désolé, les gars, je regardais pas le chat, là. Attendez. Pourquoi j'ai mis ça et finalement, il n'y a rien de tout ça, là? C'est dégueulasse. C'est... Et là, on pourrait se dire, l'avantage, c'est qu'on pourrait aller reset. Et que j'ai mal fait ce personnage, du coup. Oh, c'est dommage. Il n'est pas adapté. Bon, on va mettre ce point-là. On verra, peut-être on va le respect, lui. Parce que vu qu'il a tout ça, c'est vrai que c'est quand même con de se priver de ça, quoi. Les mecs sont déjà un peu boostés aux hormones, t'as envie de les booster encore un peu plus. Et je crois qu'on peut faire fin de tour, du coup. Noble blood. Ok. Salut Sia. Il est deux fois plus immortel. Ah. Salut Malekith. Ouais, pour le... pour la margoulinerie que j'ai vue là. Et pourquoi? Ah oui, oui, parce que t'as mis Nagaros. Et donc du coup, forcément, c'est un mot très dangereux. The Kraken Lord comes, and all you may do is beg for mercy. Ah monsieur, il faut mourir. Désolé, mais... Oh, il m'assiège? Non mais je vais tous les calmer là, les fantômes là. Et Ghostbuster, ça va se calmer tout de suite hein. Aïe 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 aïe. What the fuck? Deux armées. C'est une faction qui m'attaque ou c'est vraiment la même? C'est deux rébellions mais c'est... Ok. Ah non, mais calmez-vous tout de suite, les gars. Là, je préfère vous le dire. Là, vous allez rentrer dans une guerre qui n'est pas faite pour vous. Je préfère vous le dire. Je vais tous vous tuer. Vous touchez. Regardez, c'est très simple. Vous touchez à Chupayotl. Et Chupa, c'est ma première ville. C'est ma ville de cœur, d'accord? Touche. J'ai fini. Tu n'existes plus dans la matrice. Beyond your comprehension. Je te le dis, tu n'existes plus dans la matrice. What is your dark purpose? Alors vraiment, j'ai mis l'assassin dans le coin là. Powerful enchantress. Ouais, je vais faire le tour. Je leur ai dit, hein, moi j'ai prévenu, hein, j'ai posé les bases. Hein. La base c'est tu touches pas à ma ville. Ils le font, ils ont perdu, c'est tout. Voilà. Pendant ce temps-là, l'arche recrute. Bon, 4 tours, ça sera terminé ici. Alors qu'est-ce que je vais attaquer du coup? Plutôt la belle Saraté? Ou plutôt le Paxo. Vicious warrior. I shall destroy. C'est quoi son armée? Ouais, bouh. Je vais me mettre ici sans respect. Je vais dire, allez-y. Allez, venez. Venez, on va discuter. Master Druki. Ça, c'est celui qui accompagnait Lokir ici. Mais on est d'accord, Lokir, il est pas prêt. Non.
Dark Servant. Noble born. There will be casualties. It is little surprise. An insult to Ivres. My temper is cool. On va, puisqu'il est décidé à attaquer ça, nous on va descendre. Hein. Sins of the father. On va pas s'embêter, hein. Laissons-le comme ça. Hein. Pendant ce temps-là, on se gonfle ici. Ah, ici, je sais même pas ce qu'il espère faire en fait. Parce que ce qui est à l'intérieur, plus les ombres boostées. On va pas se le cacher, hein. C'est audacieux. Voilà. Le terme le plus adéquat à sa tentative est audacieux. Et nous, bah, pendant ce temps-là, on descend. Delightful screams. Attack you. We have lives to end. Disreputable curse. On essaie de voir si on arrive à l'enclume de vol. Ce sera un bon point de passage bien défendu, ça. For the Witch King. Onwards, onwards. Et vénère, elle. Et pourquoi pas les chances de succès. Salut gros souris. Salut Fluida. Salut Sawed. Le félon périt. Bande de trolls. Vous vouliez dire sa matriarche des plus séduisantes. Je sais que c'est ça que vous voulez dire. Alors, Najira, la mono sanguine. Qu'est-ce qu'on va les mettre, hein. J'aimerais enfin lui mettre un peu de spell quand même. Hein. Par contre, elle est que niveau 14, hélas. Ça, c'est embêtant. C'est pas grave. In father's name, no. Quand même perdu deux villes avec le chaos là. Ouais, les archers, ça les ouvre, les ombres. Mais par contre, au corps à corps, non. Parce que finalement, c'est des mecs qui savent très 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 bien se battre aussi. Oh, ils nous proposent un beau combat, là. Eltarion veut en découdre. On a ras le cul. J'ai perdu mes unités des brumes, ou des ombres. Non, des brumes. Ils ont pas vraiment de tanking aux flèches, mais alors par contre au corps à corps, ça reste de bons gars. Surtout quand tu prends les derniers, faire sa armure anti-infanterie. Au final, même au corps à corps, du coup il fait des kills. Putain, je me suis dit où allait mon armée, j'ai eu peur. Alors. On peut juste faire ça. Tac. Préparer avec eux. Allez aider. Donc en fait, faudrait activer ça là. Voilà. Merciless warriors. Corsairs. Je pense pas que ça tirera, ça. Ah,
contre, les dragons, ils... Je sais pourquoi ils brillent comme ça déjà. Ah non, par contre, la sortie au compte-goutte, ça m'embête, hein. Forcément. Slash, kill. Kill them. Withdraw. We understand. Et on essaie de le bloquer. On a presque réussi. C'est juste un peu relou parce qu'on se fait attaquer dans tous les sens. Et là, avec les ombres, normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est dur pour eux de se placer, hein. Très très dur. Et même là, c'est au final, mes ombres ont du mal à taper, mais eux résistent. Donc ça me va. Oula, par contre, vous n'allez pas kiffer là ce qui va se passer là. Putain, mais c'est le bordel pour les sortir par contre! Sortez-vous de là! Oh, vous allez me gonfler là! Allez, bougez-vous! Arrêtez de vous mettre des doigts dans le cul! Voilà, une fois que vous êtes sortis, boum, vous tirez sur le dragon à con là! Boum, et magie, ça fait quoi? Des chocs à pied? Ah bah vas-y, vas-y, viens. Dark shards, no survivors. Mais tranquille. Corsairs. C'est tout ça parce que ici, en fait, il y a tellement de décors chez les hôtels en ville que les déplacements sont juste horribles. T'as des décors qui viennent de partout en fait. Et quand même le tuer là. Oh, il va revenir ce con. Rendez compte qu'il passe juste à cause de ça là. Allez, boum. Destruction is come. Alors,
for destruction. Glorious. Est-ce que s'il te plaît, vous voulez bien un moment vous sortir d'ici, de ce gros pogo? To destruction. Corsairs. Et faire quelque chose d'utile. Yes, ça y est, ça y est. Non, on envoie le bout, on envoie le bout. Là, ça devient intéressant. Back at once, merciless warriors. No survivors. Going. Death. Terror and death. Et mes bêtes, elles sont où d'ailleurs? Ah, mais putain, mais je vous avais demandé tout à l'heure d'aller là-bas. Je suis quasiment sûr d'avoir cliqué sur vous et de vous avoir donné un ordre. Shades, eager for battle. Parce que quand je vois votre état, je me dis non, là, vous avez pas foutu grand-chose, en effet, là. Moving out. Non, et ils sont en pause. La pause, c'est le minimum. By Kane. Battle calls. Tout ça à cause de ce terrain de merde, là. Ça a compliqué les choses, mais... Puissance 10, quoi. Non, tirez sur ce qui... Voilà, les princes dragons, là, c'est bien ça. Voilà, les chars à lion aussi. Ouais, 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 ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça vous... Ouais, vous tirez, c'est très bien. Je peux que vous applaudir. Vous faites quelque chose d'utile. Bah, je l'aurais fait dans la douleur. Hein. Ouais, mais en vrai, franchement, les gars, c'est même pas les hôtels le problème, c'est ce. Si je le dis bien, le pathfinding. Vous voyez, quand on met des arbres en plein milieu avec des pots, que derrière t'as ça là en plein milieu, et là t'as quelques arbres avec encore des pots, et ici, c'est juste un merdier. Il y a qu'à voir quand j'ai essayé tout à l'heure de placer ça par exemple là. Vous voyez, regardez. Normalement ça rentre 10 fois quand tu fais ça ici. Mais quand tu fais ça là, regardez l'effet que ça fait. Tu n'y arrives pas. À cause des pots. Normalement, ça, un truc comme ça, tu le gères 10 fois mieux. Du coup, t'as les, une fois que les unités sont rentrées dans cette zone-là, c'était comme si, tout d'un coup, bah, le QI, il était parti. Tu sais, le cerveau, il l'avait jeté là par-dessus, là, dans l'eau. Là. Ils ont fait, maintenant, on fait quoi? Ah là là. Qu'est-ce qui se passe à Bonnie là? A maudit le chien. Quoi? Bind them. Je crois que nous avons un déchaîné. Des votes. Je suis pas sûr. Je crois que nous avons un déchaîné. Mais du coup, la question est de Joe Biden ou de Trump, on ne sait pas. Mais c'est un déchaîné, sûrement, Abo. Abo a l'air fou. Moi, je le trouve rigolo parce que du coup, je pense que même lui, il fait un Google Trad pour essayer de mettre quelque chose en français. Mais du coup, ça me fait rire de voir marqué le président français Macron a maudit le chien. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive, Dico, au chien? C'est quoi dans l'histoire? Supreme Sorcerer.
sorceress of Grant. Moving on. So thrilling. Ah non, ça nous intéresse. Qu'est-ce qui arrive au chien, du coup? Dans l'histoire, hein, le chien, il a rien demandé, quoi. Enfin, c'est un animal. Moi, j'aime bien les animaux. Gentil, les animaux. Non, mais par contre, toi, tu vas être relou, en fait. I cannot rewrite reality. What now? Lui dire, mais laissez les animaux tranquilles! Attendez, je vais aller là. Et ça, je le bloque. Et Jordan? Bah, t'as pas dû le voir. Il y avait quelqu'un qui avait écrit un message Google Trad sur le chat. Donc, du coup. On a essayé de biter quelque chose, on n'a pas bien compris. Hein. Ah, mais. Noble of Nagaroth. Mais on doute pas de l'intention. What is your dark purpose? Loki, tu es de retour. Loki, Fellheart. Oui, Loki. Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on fait? Casser la gueule! Our power is unmatched. Dark destiny. Nagaroth is sorceress. Yes, c'est pas défendu, ça. Bring fire and terror. Salut, Trakek. Find a better wind. On met le 10 d'attaque en mêlée ici parce que du coup il est à 101. Franchement, c'est quand même un des seigneurs, à mon avis, en termes de stats, des plus violents quand même, j'ai l'impression. Avec ce petit boost en mêlée que je lui donne, qui est l'étendard de A, greffe, plus tout ce que je lui ai mis. Et encore, j'ai pas mis des points. J'ai pas mis tous les points. Ça va, Ludo? Ça gratte? Non. Je gratte mon chat. Je vois qu'il voulait se gratter, alors je l'aide. The Azur are destined to die. Tac, je vire ça pour l'instant, on va voir ce qu'on fait. Donc ici, on a perdu des troupes. Non. Even the law master could not. Tu vas bien. Salut Master Views. Speaker of secrets. Jordan, tu vas chier. Ah là là. All shall be mine. Bon, va falloir faire de la place là parce que visiblement j'ai peu de place. Ah bah j'ai de la place pour ça, normalement j'ai de la place pour elle, mais dans ce cas-là, lui, ça veut dire qu'il reste... Donc ouais, juste pour terminer avec Lokir. Le mec, il a 101 d'attaque en mêlée, il a 67 défense, et pourtant, j'ai même pas été chercher ça, qui lui donnerait encore 12. J'ai même pas été chercher l'armure pour le booster, et j'ai même pas été chercher les 20%, alors que le mec, il est à 771. Au calme. Va bien. Lokir est chaud. Pour moi, Lokir est très très chaud comme seigneur. Je me demande en duel ce qu'il vaut. This one has their uses. Je me demande pas mal. Surtout que ses stuffs à lui sont quand même... Bah, joli, hein. On regarde, le mec, il a un truc avec puissance des armes, attaque en mêlée, permet les attaques destructrices. Et l'autre côté, c'est défense en mêlée, il restaure de la vie. Et en plus, plus 15 d'armure. Bon bah... Excusez-moi monsieur, on voulait pas vous déranger. Hein. Surtout... We are displeased. Part of the crew. Our revenge will come.
those sycophants. Un vrai petit pacha, ce chat. Bloodshed becomes me. Alors, je vous le dis, les gars, vous touchez à la ville, je vous défonce. Cette ville, il y a une mine d'or. Ne doutez pas de l'avidité des... Je sais que vous êtes des pirates, mais... En avidité, l'elfe noir, c'est encore un cran au-dessus. D'accord ? Charmant. Hound and ravage. Show them nature. Aïe. Alors ça va être difficile à gérer, ça. Attendez, j'ai vraiment pas d'armée pour le faire. Ah si, normalement c'est elle. Aïe. Après, est-ce qu'avec lui j'ai le temps d'arriver là-bas? Setting up with the tides. Murder them in their sleep. Il me dit dans deux tours je l'attaque. Bah espérons. Espérons. On arrive jusqu'à Lauterne. Lauterne, c'est quand même pas le même niveau de protection. Hein. Elle est quand même jolie. Hein. Je crois que c'est la première fois que je vais vraiment la prendre avec ce mode où j'ai la ville, vous voyez, upgrade comme ça. Elle est juste magnifique, quoi. On va rester à côté, hein. Jamais. Priestess to the Druki. Ah merde, j'ai oublié de la rentrer dans l'armée. The thrill of battle awaits. Le monsieur a pas peur, hein. Alors. Bleak swords. Druki. Done. Druki. Following orders. Orders understood. Je sais pas pourquoi à chaque fois il les voit comme des renforts, le truc. Oui, j'ai pas mal d'ombre, hein, souvent. Il s'agit de défendre mon territoire. J'abuse clairement des ombres. Onwards to murder. Black guards. Advancing. Corsairs. Onward. Quoi est son fufu? Lord. J'ai raté un épisode ou ça se passe comment? Depuis quand les corsaires advancing ont ce trait-là rodé? Pas ça normalement, eux.
dark-hearted lord! Villainous! Following orders! Mais là, tu vas prendre la sauce. Là, on te renvoie l'appareil, là, t'inquiète. C'est avant tout ça, l'échange entre les hauts elfes et les elfes noirs. Vous voyez ? On s'insulte et on se lance des flèches. Et quand on en a plus, on vient encore à corps. Et d'abord, voilà. Ah ah ah, j'ai entendu, retourne. Retourne faire des colis fichés. Ah yes, c'est Tentacle qui est lancé. Nagarothi! Slash! Kill! Who says? Orders understood. Blood will flow. Dark sharks! Enemy! Kill everything! Cold-blooded killers! Black guards, we understand. No survivors. Corsairs. No survivors. Bon, normalement, mes corsaires gagnent. Hein. Voilà. C'est pas Tyrion normalement ici d'ailleurs. Non, c'est Belsa. Non, c'est. C'est bon, tout va bien. Aïe 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 aïe, le pauvre, il était dans la trajectoire. Et c'est un plein fouet dans sa tronche. Un peu du mal à les achever. Hein. Ah bah... La belle ne sera bientôt plus. Est-ce que je vais pouvoir le choper avec l'autre armée? Par contre, je vais perdre Exoat là tous les coups, ça. Ça, c'est pas bon. Ouais, clairement. Salut Rigald, comment tu vas? Un accès militaire. Regarde ton territoire, regarde le mien. Oh, j'ai rien à ta place. T'es fait piquer par un Skaven.
Allez, retourne dans, te baigner dans ton sang. D'ailleurs, est-ce que l'IA, ça marche ce truc? Est-ce qu'il y a son, ce délire de sacrifice et finalement, genre, elle est en forme, elle est magnifique, ou alors elle est décrépie. Salut Pam Boum, vous préférez les hauts elfes ou les elfes noirs? Alors, dans le Total War Warhammer, clairement les elfes noirs. Le seul que je trouve du coup super cool en soi, c'est Eltharion, le contenu qu'ils ont ajouté avec ces trucs des brumes. Alors la défense de Ultion, je trouve ça juste trop bien. Ensuite, niveau... T'es sûr? Ouais, c'est bien ce que je me suis dit, hein, t'es un peu fou là, non? Après, niveau dans le lore, le problème c'est que t'as un peu d'empathie pour les elfes noirs parce qu'ils sont quand même. Non, mais t'es mort. Bah, Noctilus, t'es mort, hein. Désolé, t'es mort. Bon, excusez-moi, il va falloir qu'on règle ça. T'as un peu d'empathie pour eux qui se sont fait dégager, mais en même temps. Forbidden magic. Normalement, il n'y a pas de chaos ici. Allez, on recolonise. Il n'y a pas de souci. Ici, recrute. C'est dommage, c'est qu'elle elle ne peut pas retourner à l'intérieur. Comme ça. Parce que finalement, j'arrive à la voir. Cette armée-là, je peux la laisser... mourir à petit feu en vrai. Yes! Et putain, mais t'es allé au bon endroit! Yes! Donc là, si je vais là, maintenant t'es bloqué. Vous êtes tous les deux bloqués. Speak! Next! Destruction! Non, il peut passer par là, mais ça le fait chier, normalement. Ok. Donc du coup, j'ai peut-être une tendance quand même à être pour les... Dans l'idée, le problème c'est que... En fait, les elfes noirs, c'est vraiment... C'est qu'ils se laissent complètement... dans un sens, corrompre. Mais... C'est peut-être dû à leur haine aussi. De ce que je connais dans leur histoire. Et Hotel, c'est un peu trop... Je sais pas. Je pense que je préfère en fait d'être dans les deux côtés. Je préfère les elfes noirs en tout point, je crois. Après, si je devais rajouter les elfes sylvains, je partirais clairement sur eux. Bah, je kiffe le côté nature, je kiffe le côté qu'ils soient restés en fait dans le vieux monde au moment où bah, les hôtels qui sont devenus sont partis à un moment chercher. Une meilleure terre. Il y a ce côté défense du vieux monde contre le chaos. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la croissance. L'ordre public. Pour l'instant, pas d'intérêt économique. Si c'est bon. Est-ce qu'on peut se dire... Au prochain épisode, le terme y passe. Donc 4 tours. Ça. Ok. Il va là-bas. Est-ce qu'il va réussir à nous donner la vision? Pas vraiment. Enfin, je sais pas en fait si j'ai la vision ou pas là. Voilà, là j'ai la vision. Et bah du coup...
your desire. Et bah, au prochain épisode, on capture l'Auterne. Voilà. Merci beaucoup, Kermiel, pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton resub. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton Prime. Bien le bonjour par ici. J'espère que tu vas bien. Supreme Sorceress Grant. Moving on. I think not. Totalement pompé sur les. Alors là, tu vois, les Melniboneens de Moorcock avec elle. Alors... Et un enchaînement de trucs que je ne connais pas. J'aurais bien aimé que l'Arche participe, mais en fait, j'ai envie de défendre ce truc coûte que coûte. Coûte que coûte. Eh bah écoutez... ah, tiens. Draw your... Peut-être l'achever lui parce que sinon. Et peut-être le million. J'ai rarement atteint le million, j'ai déjà fait, mais j'ai rarement atteint le million dans le jeu. Peut-être qu'on l'aura avec cette faction. On verra bien. Coucou YouTube, on s'arrête là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Ciao ciao.